so tozana bala o ba bengi ngumba la la. Tomate na ngamba na litungu nanga na ai na ndimbi na masuka nanga bila kumbo nanga ezana ba legume o na rutana kati azana tomate nguma namba nikite yango awa sikoyo ekomi yako nika masima niki yango na mashi mboloko na ngai yango de banane plantain. Aujourd'hui, je vous propose notre recette de croquettes de banane plantain. Déjà, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si vous pouvez cette publication et toutes les autres publications antérieures. En attendant un prochain numéro où je serai vraiment fière de vous rencontrer. Nous allons donc commencer par choisir nos bananes plantain. Nous allons les choisir semi-mûres ou le moins mûres possible, de manière que quand nous les aurons pré-cuites, nous les aurons bouillies, elles soient encore fermes, même si elles sont cuites. Donc des bananes vertes semi-mûres sont les bienvenues. Nous allons les éplucher et nous allons les faire bouillir. Après les avoir mises au feu, nous allons commencer par râper notre fromage. Nous allons râper aussi du pain rassis si nous n'avons pas de chapelure, parce que ça va faire office de chapelure. Là, nous sommes en train de pré-cuire nos bananes plantain. Dès qu'elles seront cuites, nous allons les décharger du feu et laisser reposer pour qu'elles refroidissent avant de les piler. Là, je pile les bananes plantain dans le but d'obtenir une pâte bien lisse et homogène qu'on appelle chez nous les touma, qu'on appelle au nord de la République du Congo le lidoké, en Afrique de l'Ouest un foutou. Nous le voulons bien lisse pour notre recette. J'ai les mains bien propres. Je mets la pâte obtenue dans un saladier. Maintenant, à présent, je vais ajouter le fromage râpé et je vais pétrir pour que le fromage et la purée, si je peux le dire ainsi, mon foutou puisse bien se mélanger. Au besoin, je peux ajouter une pincée de sel pour ceux qui aiment le sel. J'ai ajouté des œufs. J'ai râpé de la noix de muscade, du paprika, du poivre blanc moulu, du poivre noir moulu. J'ai aussi mis un peu de sel. Là, je vais ajouter de la farine de blé. Avec des mains bien propres, je vais pétrir. Après avoir bien pétri, nous avons ajouté un peu de farine, pané à la farine et donné les formes souhaitées. Maintenant, nous allons paner au jaune d'œuf. Nous panons au jaune d'œuf. À la chapelure
Pendant ce temps, notre huile est en train de chauffer et nous allons procéder à la friture. Voyez le comportement de nos croquettes dans l'huile de friture. Elles sont toutes belles, bien dorées. Nous les retournons de chaque côté de façon qu'elles puissent se revêtir d'une très belle couleur. Et bientôt, nous allons passer au service. Elles sont là, nos belles croquettes, consommables à toutes les sauces. Ketchup, mayo, oignon caramélisé. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette recette. Depuis le Congo Brazzaville, Maman Lydie vous salue. Je vous dis vraiment bonjour et je vous remercie de nous avoir suivis de près. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre page pour ne rater aucun numéro. D'ici le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne santé. Bien des choses à vous. Ne manquez rien du prochain numéro. Au revoir. Et Sagevan vous propose nos poissons du terroir qui grandissent et pêchent au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ma papa, ma maman, bandeko, bo lembate, bo somba nzombo, mongusu, bambisi, oyo, papa, la bango, na maman, la bango, azali congolais. Bo benga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika nini mbisi ezali. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût.